Voici le cinquième bulletin. C'est notre périodique annuel, qui est le moment pour nous deux de nous livrer à toutes les expérimentations possibles sur les matériaux, la manipulation des livres, leur conception, et évidemment la façon d'habiter plastiquement ces nouveaux espaces que nous avons construits. Celui-ci est consacré aux serpents et aux enterrements. À partir d'une phrase de John Ford qui avait dit que le cinémascope n'était fait que pour filmer des serpents et des enterrements. Le livre se déroule donc de façon la plus horizontale possible. Voici ici un serpent. Et de l'autre côté, une variation sur le courbet, l'enterrement à Ornan. En sérigraphie pour la couverture, il y a pas mal de techniques différentes à l'intérieur. Bon, beaucoup de sérigraphie. Nos dessins, comme d'habitude, sont mêlés. Nous travaillons en mélangeant croquis et ancrage de l'un par l'autre. Nous mêlons aussi la mise en couleur de l'un par l'autre. Nous continuons ici sur ce motif, ici un enterrement des animaux, avec des motifs d'impression qui ici sont empruntés à des matériaux divers, des cordes ou parfois des embossages qui sont faits avec des écrous, des boulons. Ici, un papier pelure qui a été frotté avec des silhouettes de cow-boys. Ici, des pluies de petits motifs qui ont été jetés sur la table à sérigraphie. Ici, un pop-up, notre premier pop-up, avec le serpent d'Adam et Ève. Un croquis de ces deux trois gaufres ancrés par mes soins. En sérigraphie également. Ici, la réponse du duel de l'autre côté, toujours en carton frotté avec des petites ficelles. Ici, des spaghettis ont été posés sur la table d'insolation pour la sérigraphie. Évidemment, ils ont été mangés ensuite. On ne jette rien. Un bois gravé et donc un double livret. Pour ce bulletin numéro 5, serpent et enterrement.